Solidaire d'abord, nous sommes trois autour de la table pour discuter du 1er mai, mais pour discuter aussi des casserolades, des fraudes fiscales et puis fraudes sociales, puisque ouais. Notre Bruno Le Maire nous parle des fraudes sociales avant les fiscales, on se demande comment, pourquoi. Et puis aussi quelques brèves sur le local, sur les EHPAD, sur les soulèvements de la terre, ils s'en créent hein, ici ouais. aussi. Hein. Et puis sur, vous verrez, sur Total, sur Von der Leyen. Voilà. L'émission est enregistrée parce qu'évidemment le 1er mai, ben, c'est férié. Oui, donc on a, c'est, aujourd'hui, c'est enregistré pour une fois, c'est pas en direct. Voilà. On ne bosse pas le 1er mai. On prend les précautions parce que comme on risque de dire des choses sur ah bah demain il se passe ci ou il se passe ça et ouais. vous allez dire mais ils sont complètement à la masse. Non, on enregistre. Donc voilà, grâce à Sylvain qui nous a permis d'enregistrer vendredi soir. Voilà. Donc ouais, 1er mai, c'est toi là hein, qui nous parle de l'histoire du 1er mai. Oui, le 1er mai. L'historique. Mais avant que tu commences, juste un instant, tu sais que Sophie Binet a dit que ce 1er mai là, celui qui va se passer, qui arrive, celui qui sera le jour où vous allez entendre cette émission, ça sera le jour en cours, eh bien ce 1er mai là va être international pour de vrai, avec toutes les luttes qui vont être centralisées à Paris. Puisque en ce moment, on est un pays en lutte. Voilà, et oui, on est un pays qui se fait remarquer, on va dire. Oui. Hein. Alors, sur le plan historique, le 1er mai, eh bien, le 1er mai, tout a commencé. Place des Foins, à Chicago. Alors, la place des Foins, c'est Market Square. Hein. Et le 1er mai 1886, première manifestation, et la police charge. Et il y a deux morts parmi les manifestants. Hein. La principale revendication dans tout le pays, c'est la journée de 8 heures. Puisqu'il faut le dire, en cette fin du 19e siècle, les journées de travail sont plutôt de 10 heures, 12 heures. Et en plus, on travaille 6 jours par semaine. Hein. Et le 3 mai 1886, deux jours après, une autre manifestation est organisée devant les usines Marcor-Miec. La police tire dans la foule. 4 ouvriers sont de nouveau donc tués et des dizaines sont blessés. Le 4 mai, la gauche, qu'on note anarcho-syndicaliste, appelle à un meeting de protestation au Haymarket Square, c'est-à-dire à la place des Foins. Et c'était une très belle journée, ensoleillée. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus par solidarité, hein, avec leurs beaux habits pour partager ce temps. Et la police, rappelons-le, est aux ordres des capitaines de l'industrie. Elle cherchait une occasion d'attaquer les manifestants, mais la manifestation était super bien organisée. Et ils n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir attaquer. Puis la foule s'est déplacée pour écouter les prises de parole. Enfin, la manifestation se disperse et... À ce moment-là, un bâton dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et 60 blessés. En réaction, la police tire dans la foule. 200 blessés et beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Mais qui a lancé la bombe? On n'a jamais su. Jamais. On soupçonne une provocation signée Pinkerton, un cabinet de détective privé, qui employait déjà plus de 10 000 agents, et dont les agents allaient s'infiltrer parmi les ouvriers pour renseigner la police et pour faire ce genre de provocation. 5 syndicalistes anarchistes seront arrêtés quelques mois plus tard et ils seront pendus. Mais au total, 8. Alors là, il y a tout un détail. Il y en a un, je crois, qui va se suicider. Il y en a un qui va se suicider, oui. 5, donc, ils sont pendus. Ouais. Et 2 autres... Et 2 autres condamnés à perpétuité. À perpétuité. Et le 1er mai 1890...
il y a à nouveau une organisation d'une grande manifestation à Chicago avec un triangle rouge à la boutonnière qui symbolise 8 heures de repos, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Ouais. Alors juste après, juste avant, pardon, il y avait eu la Commune, 1870, hein, et dans, au moment de la Commune, il y avait déjà deux courants, le courant Bakounine et le courant Marx, qui étaient déjà à l'œuvre à l'intérieur des mouvements sociaux, parce que en 1864, donc 6 ans plus tôt, il y avait eu ce qu'on avait appelé l'AIT, Association Internationale des Travailleurs, qui va s'appeler la Première Internationale. Donc souvent, quand on discute comme ça, les gens qui sont un peu branchés sur les mouvements sociaux, alors Première Internationale, Deuxième Internationale, j'y comprends plus rien, c'est très, très compliqué, etc. La Première Internationale, donc, c'était en 1864. Et là, c'était avec deux têtes pensantes, Marx et Bakounine. Et ils ne sont pas tout à fait d'accord. Il y en a un qui est plus sur un truc très, très centralisé, où il veut qu'il y ait le plus d'efficacité possible. L'autre qui est déjà un peu anarchiste et qui est déjà dans quelque chose de plus ouvert ou de plus, comment dire, encore plus horizontal si possible. Voilà. Ensuite, tout ce mouvement se fédère, Bakounine est éjecté, etc. Lui, il crée un truc qui s'appelle la Fédération Jurassienne. Et en 1889, donc 100 ans après la Révolution française, en commémoration à la Révolution française, se crée la Deuxième Internationale. Et là, il y aura deux courants aussi à l'intérieur de cette Deuxième Internationale, avec Jules Guesde, qui est lui un révolutionnaire, et Jean Jaurès, qui lui sera plus un parlementariste, qui est plus un réformiste, etc. Puis ça évolue. Arrive 1914, et on sait que Jaurès, là, pour le coup, sera contre la guerre, donc sera petit à petit sera venu sur des positions plus à gauche, pour la paix, en tout cas contre la guerre, et c'est pas possible pour lui qu'il y ait la guerre. Et tout ça, ça avance, il y a la révolution soviétique. En 1919, après la révolution russe, il y a la Troisième Internationale qui arrive, et elle sera après, un instrument aux mains de Staline. Mais dans un premier temps, c'est pas le cas. C'est la Troisième Internationale, c'était la Russie. Alors, bon, je reviens au départ, pour faire très court, hein, 1864, Première Internationale, 1889, pour l'anniversaire de 1789, la Deuxième, et Troisième Internationale, c'est l'Internationale dite communiste, qui va servir Staline par la suite. Il y aura une Quatrième Internationale, puis une Cinquième, qui seront, elles, plutôt trotskistes, donc une qui arrive en 1938, et une autre qui arrive en 1989. Et donc on voit, tu disais, Denis, que ça prend 100 ans, oui, plus. Oui, c'est sur un siècle, ça s'étale sur un siècle, toujours avec des gens qui sont là, connus, reconnus, ouais, qui ont toujours leur nom, sont dans l'histoire, ils sont rentrés dans l'histoire. Ouais. Et ça a été une évolution. Après, bon, tout ça a évolué sans arrêt, exactement. On évolue sans arrêt, les partis politiques évoluent, suivant l'influence que des gens qui les dirigent, et suivant la population qui vote pour eux, les partis évoluent en rapport de l'électorat. Alors tout ça se passe évidemment avec beaucoup de conflits avec les gouvernements. Entre autres, en 1891, en France, il y a le premier grand 1er mai, où il y aura la fusillade de Fourmies, hein, ça doit parler à plein d'entre nous, hein, ça, au niveau de la mémoire. Il y a eu 9 morts quand même, 35 blessés, c'est la troupe qui est venue pour tirer sur les manifestants, complètement fou, hein. Et il y aura des manifestants qui seront, malgré le fait qu'on leur tire dessus, qui seront condamnés pour violence et outrage à la police. Voilà, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Cherchez. Bon, est-ce que ça ressemble à quelque chose de. Hein, qu'on connaît aujourd'hui. Bon, dernier petit détail sur cette histoire. 1941, sous Vichy, il y aura des 1er mai aussi. Et là, figurez-vous qu'à un moment, ça sera reconnu, en 1941, c'est reconnu comme la fête du travail et de la concorde sociale. C'est beau, hein, comme truc. Ouais. Et parallèlement, Vichy, pour cette concorde sociale, interdit le droit de grève et dissout les syndicats. C'est la concorde sociale. Voilà, c'est pété. Voilà. Ouais. Est-ce que ça ressemble à quelque chose de nos jours ? Quand on pense que Macron a dit « Oh, pété, c'est un grand homme » et... ouais, bon, voilà. Ça dépend de quel côté on regarde. Bon, allez, on a fini pour ce sujet. Alors, tout ça, évidemment, ça sert aussi les manifestations qu'on a de nos jours, et entre autres les casserolades. Oui. Ben oui, tout le monde a entendu parler.
Si passé un moment, les casseroles pour soutenir les soignants, c'était bien vu par le gouvernement. Maintenant, les casseroles contre le gouvernement, les ministres, là, maintenant, ouais, ils pètent un peu un câble quand même. Il faut reconnaître que ça les dérange beaucoup. Alain, tu vois, sur les casseroles. Écoute, moi, le son, je trouve que c'est bien de manifester, disons, d'exprimer, disons, ses sentiments ou son opposition, disons, en tapant sur une casserole. Après, je comprends que Macron ou ses ministres, disons, supportent peut-être pas ce son. Hein, mais ma foi, je crois que le peuple, il faut que le peuple s'exprime. Et c'est bien lorsque le peuple n'est pas d'accord. Parce qu'il faut le rappeler, la laïcité, c'est quand même, c'est pas une opinion, c'est permettre à chacun d'en avoir une. Ouais. Alors Barbara Stiegler est dans un moment de conflit avec Enthoven, le philosophe, on va dire expert qu'on nous sert sur toutes les chaînes télé, hein, et qui lui vient expliquer que c'est une menace pour la République. Tu sors une casserole, paf, c'est la menace pour la République. Fais gaffe hein, quand même à ça. Et Barbara Stiegler réplique, il vaut mieux quand même qu'ils tapent sur une casserole que sur la tronche des gens, quoi. Parce que c'est une façon d'évacuer la violence, hein, voilà. Et puis, cette violence que nous fait le gouvernement, parce que quand même, il faut ramener les choses au départ, c'est quand même le 49-3 au départ qui suscite. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont greffées dessus. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, en plus, il y a évidemment tout le mépris qu'on peut voir avec notre grand bonhomme. Mais on a eu des grandes manifs pour Charlie Hebdo, pour obtenir la liberté ou pour garantir la liberté d'expression ou revendiquer la liberté d'expression. Ne pas oublier quand même que les casserolades, ça peut aller très très loin, hein, puisque en Islande, Barbara Stiegler rappelle qu'en Islande, ils ont réussi à virer un gouvernement qui était trop corrompu. Oui, mais il était corrompu. Alors, en France, c'est pas le cas. Alors Dussopt voulait venir à Privas. Oui. Et il n'a pas pu. Non, finalement, il a décliné et il n'est pas venu. C'est au grand désarroi de ceux qui l'attendaient. Voilà. Et bon. L'Ardèche est presque en deuil. Hein, tout le monde pleure dans les chaumières. Dussault n'est pas venu. Il a eu peur que sa tête soit prise pour un ballon. Bon, il y a eu des communiqués, des chansons, etc. Alors c'est vrai que quand même, un président comme Macron, qui est obligé maintenant de calculer des déplacements impromptus, parce que sinon, il a peur que de venir à un endroit où c'est prévu. Hein. Et puis, il vient avec son générateur. Tu savais ça ? Oui. Mais là, impromptu, c'était à Dole. Dole, il y a eu 60% des gens qui ont voté pour lui. Donc déjà, il ne prenait pas trop de risques, on va dire. Et puis quand même, il avait tous ses gardes du corps aussi. Donc voilà, il ne s'est pas trop mouillé. Et tout ça, c'est du genre « Coucou, c'est moi !» vous y attendez pas, hein. C'est moi. Et donc on sait pas exactement s'il est rigolo ou con ou s'il est deux à la fois. Pour moi, il est un peu. Enfin bref, voilà. Il n'arrive pas à se priver du moment où il prend la parole et il dit écoutez, j'ai raison. Il est quand même, je crois qu'il faut le dire, il est politiquement pervers, ce mec. Perdu et pervers. Parce que il arrive, disons, il arrive à utiliser les choses les plus dopes, parfois dans une société, quand il parle par exemple de la démocratie, hein, il veut nous faire croire que c'est un grand démocrate, quoi. Hein, je le trouve très pervers, très dangereux. Hein. Alors c'est vrai que les actions de la CGT, là, maintenant, c'est carrément couper l'électricité. Hein, et il menace les JO, hein, tant qu'à faire. Oui, hein, c'est ça qui est en filigrane. Hein. Et le Festival de Cannes. Et le Festival de Cannes. Et Roland Garros. Parce que bon, ils veulent pas le laisser faire, hein, Macron, qui explique que, bon, je vous ai entendu, quoi. Vous avez le droit de pas être d'accord en souriant. Ils ont fait une grosse manif l'autre fois avec leurs véhicules et à Paris, c'était impressionnant le nombre de véhicules qu'il y avait. Enfin, c'est plus EDF, c'est Engie et compagnie. C'était impressionnant le nombre de véhicules qu'ils avaient. Hein. Alors pour brouiller les cartes, hein, évidemment, ce gouvernement essaye de nous parler d'autre chose. Et entre autres, on a eu une intervention de Bruno Le Maire qui est venu nous parler des fraudes. Voilà, notre Bruno Le Maire. Oh là là, alors lui, il y a un gros problème, Bruno Le Maire. Donc ouais, Bruno Le Maire... Il est venu, c'était, je pense, sur RMC. Bon, évidemment, c'est une chaîne qui est complaisante. Il ne va pas parler aux médias ni à Blast. Alors, il a dit qu'il y avait de la fraude sociale qui partait au Maghreb.
Alors bon, pourquoi le Maghreb? Parce que voilà, c'est on cible encore une fois de plus le Maghreb, alors que des fois on est bien content, Macron est allé lécher leurs bottes pour avoir du pétrole et pour avoir des financements pour sa campagne électorale, là le Maghreb, on était content, on était bien content de l'avoir. Donc elle est chiffrée à peu près à 2,3 milliards, mais pas que pour le Maghreb, la fraude sociale en tout, hein. Pas non plus... C'est les chiffres de la CNAF, hein, voilà, la Caisse nationale d'allocation. Alors il y a la fraude aux cotisations sociales après, par les entreprises, alors ça c'est, voilà, copains des copains, c'est 7 à 8 milliards d'euros. Donc c'est déjà trois fois plus. Voilà, oui. Donc en fait, les patrons fraudent déjà trois fois plus que les... Que les salariés. Voilà, d'accord. Et après, il y a la fraude fiscale. Donc c'est toute l'évasion fiscale. Alors là, c'est le pompon du pompon. Là. Alors c'est entre 80 et 100 milliards d'euros chaque année. Évidemment, on parlait de chaque année, chaque fois. Donc c'est 35 à 40 fois plus que la fraude sociale. Aux allocations surtout, et puis au chômage, enfin voilà. Et puis cette fraude vient principalement des grandes entreprises... Et des grandes fortunes qui mettent leur argent au Luxembourg, en Belgique, en Hollande. Dans tous les paradis fiscaux. Voilà, dans les îles Guernesey, ou je sais pas, enfin bon, les Anglo-Normandes. Enfin bon, ils ont le choix. Hein. Oui. En Europe, ils n'ont pas besoin de sortir de l'Europe. Il y a tout ce qu'il faut en Europe. Il y a tout ce qu'il y a en Europe. Et il y a Manon Aubry qui a épinglé à la communauté européenne, qui a épinglé le premier ministre luxembourgeois en lui faisant, c'est une honte qu'elle lui a fait, oui. En lui disant toutes les entreprises qui étaient dans le même immeuble, 240 entreprises dans le même immeuble, c'était que des boîtes aux lettres, évidemment. Et elle énumérait tous les gens qui étaient là, c'est un peu tout, n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais tous les Total, entre autres. Oui, Total, les Mirailles Rabuni, des joueurs de foot ou de ci, de ça, voilà, un peu tout le monde qui est dans cet immeuble. Tous les gens qui essayent de piquer du pognon, en fait. Voilà, qui détournaient, voilà, détournaient de l'argent. Mais là, c'est pas grave, ils vont pas au Maghreb, ces gens-là. Non. Non. Et puis c'est pas au bout, ils ont un train de vie qu'il faut bien ça. Donc oui, on voit l'appel du pied, c'est sacrément pervers le Total. Hein. Oui, mais c'est l'appel du pied au Front National, ça fait au RN, au Rassemblement National. Il faut pas se faire d'illusion, c'est en chasse sur les voies du Rassemblement National. Ouais. Bruno Le Maire, pitoyable. En fait, ils défendent leur position, parce qu'ils défendent leur poste. Hein. Oui. Alors juste une petite brève sur le local. À Saint-Cernin, il y a un EHPAD où là les gens sont en grève parce qu'ils ont des conditions de travail épouvantables, parce qu'ils sont très 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 mal payés. Les filles qui travaillent dans cet EHPAD expliquaient qu'en gros, elles sont payées le 10, le 15 du mois, des fois... plus tard, donc du mois précédent, hein, évidemment. Hein. Oui. Et donc, elles doivent se démerder, et elles se retrouvent très souvent dans le rouge. Alors, petit à petit, avec le banquier, il a fini par prendre la mesure du fait qu'elles sont payées avec beaucoup de retard, et elles sont très, très mal payées. Et c'est illégal. Et c'est illégal. Et elles sont en CDD pour certaines, complètement sur un siège éjectable. Enfin, voilà. Et ça se passe à nos portes, ça, à Saint-Cernin. Et pourtant, les pensionnaires, impressionnant. Alors, 3 000 euros le pensionnaire donne par mois. Plus de 3 000 euros, tu te rends compte ? 3 000 euros par mois, et ils sont pas foutus d'avoir un EHPAD avec des gens qui soient payés normalement, correctement. Parce que les gens qui sont payés dans l'EHPAD, pour travailler dans l'EHPAD, évidemment, eux, ils sont à 1 300, hein. Oui. Ils n'ont pas 3 000. Hein. On a un Ardéchois qui a créé tout un réseau de maisons de retraite, Gobertier à Annonay. Je ne sais pas si... Je crois que c'est la 60e ou 80e fortune de France, hein, donc... Ce gars, moi, je l'ai connu sur Annonay, il était pion, et puis petit à petit, il a monté ses boîtes, il a racheté des maisons de retraite, et il a fait fortune, disons, c'est l'or gris. Hein, gris. C'est ça. Mais là, c'est du fric qui part dans les poches des actionnaires. Oui, ça, vois, c'est une société. Donc là, c'est Bridge, Orpea, Corian, etc. Enfin, tout des gens très, très chaleureux. Ils vont vous recevoir avec le sourire. Et pourtant, avec tous les scandales qu'il y a eu, Alors après, il y a l'histoire de Total. Total, quand même, il y a une action qui est programmée par Attac, Alternativa, Amis de la Terre, Extinction Rebellion, Greenpeace, les scientifiques en rébellion. Tous ces gens-là se sont mis ensemble pour dire il faut empêcher que l'Assemblée Générale de Total se passe dans de bonnes conditions, donc empêcher l'Assemblée Générale de Total, parce que ils vont nous expliquer encore que tout va bien. Les actionnaires se sont mis quand même dans les poches 9,4 milliards. Et qui c'est qui paye? Toi, moi, tout le monde, quoi. Ouais.
Hein, oui, mais il faut parce que reconnaître. Nos prix de l'énergie. Ouais. On faut reconnaître. Pour les actionnaires au Total, tout va bien. Voilà, tout va bien. Pour les actionnaires au Total, ça roule. Hein. Et pour l'État aussi, c'est ce qu'on disait quand on préparait l'émission, hein, puisque la TVA, disons, est un pourcentage. Hein, donc je crois que c'est 20%. Hein, enfin, peut-être pas sur le. C'est beaucoup plus sur. 60%, c'est 60% pour les carburants. Oui. Donc c'est pour ça que, à l'heure actuelle, quand on paye pratiquement 2 euros le prix du carburant, il faut savoir qu'il y a 1,20 euro qui part dans les poches de l'État. En tous les cas, plus c'est cher, plus l'État s'enrichit. Voilà, tout à fait. Et après, ils ont beau jeu de nous dire qu'à un moment, comme ils l'ont fait, qu'ils nous enlevaient 30 centimes le bouclier fiscal. sur le prix, mais ça fait longtemps qu'ils ont oublié, c'était l'an dernier, ça. Hein. Oui, oui. Le prix est toujours aussi cher. Par contre, pendant ce temps-là, le prix du baril a baissé, etc., mais nous, on n'en voit pas la couleur. Hein. Le bouclier fiscal cachait la masse, le coût de masse fiscale. Oui, c'est ça. Alors, tu voulais nous parler un petit peu de cette chère von der Leyen, présidente de la Commission européenne, hein, c'est ça ? Oui, et puis du PDG du groupe américo-allemand Pfizer. Ouais. C'est Michèle Rivasi, la vice-présidente sur la commission spéciale Covid-19 et membre d'Écologie Les Verts, qui, avec des députés verts, a donné l'alerte sur des pratiques très opaques au niveau de l'Union européenne. Et le problème, c'est l'achat de 1,8 milliard de doses contre le Covid-19. Soit environ 75 milliards d'euros au total. C'est un gentil chiffre. Alors les contrats sont faits avec 6 labos différents. L'Union européenne donc donne de l'argent pour faire les vaccins. Puis lorsque les parlementaires demandent à voir les contrats, on leur répond « secret commercial impossible à voir ». C'est vous qui payez, ça fait rien, c'est un secret. C'est vous qui payez, mais ça ne vous regarde pas. Et en mai 2021, on apprend que les États-Unis... donc s'ils nous l'apprennent, c'est sans doute parce qu'ils n'étaient pas très contents de ne pas pouvoir faire des rondes, sans doute. Et alors on apprend par les États-Unis qu'il y a des SMS échangés entre la présidente et le PDG de Pfizer, alors qu'il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, qui a une commission d'experts, disons qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place. Et on apprend également, bien sûr, qu'il y a 1,8 milliard de doses prévues, en plus de 600 millions de doses vendues. Ouais, alors, grâce à ça, les SMS, maintenant c'est transparent, on va tout savoir. Normalement, on devrait tout savoir, on devrait pouvoir trouver, pour le commun des mortels, on peut retrouver dans l'historique, disons, de ces SMS, hein. Mais là, impossible. Ah bon ? Impossible. Ah. Voilà. D'accord. Alors on peut en déduire que le pouvoir de décision se passe ailleurs, que le comité des experts pilotage ne sert à rien, que la présidente de l'Union européenne et que le PDG et Pfizer font leurs petites affaires avec l'argent du peuple européen, et que ces gens s'aiment beaucoup et qu'ils s'entendent très très bien. Alors on en est à toi, Denis. Soulèvement de la Terre, entre autres, tu voulais nous faire un petit laïus. Oui, ben c'est Darmanin là, qui veut dissoudre le soulèvement de la Terre. Donc du coup, ben, c'était l'effet inverse. Il s'en est monté de partout, les soulèvements de la Terre, un peu dans tous les départements. Et il ne s'arrête pas là. Il remet en question les subventions de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, tout ce qui dérange, on veut le supprimer pour rester la voie unique. Pour l'instant, il n'y est pas arrivé. Non. Mais même pour Sainte-Soline, il a été débouté de sa plainte. Parce que c'était sur privé. Ça, c'est pas mal, quand même. Ouais, c'était sur un terrain privé, donc ça ne le regardait pas du tout. Et au contraire, le propriétaire du terrain, qui est au conseil municipal de Sainte-Soline, il a porté plainte contre le gouvernement pour détérioration des cultures. D'accord. Alors, on aura arrosé. On est obligé d'aller vite, il reste ton quiz, voilà. Le temps avance. Oui, alors le quiz. Alors, c'était « J'ai toujours été un allié de l'homme. Je suis présent sous différentes formes dans toutes les maisons. » J'ai été utilisé dans le passé, entre autres, dans les armes de guerre ou de chasse. On parle de moi dans les termes de précieux, rares, exotiques. Le Pernambouc est une de mes nombreuses variétés. Qui suis-je ? Alors évidemment, c'était le bois, les arbres. Donc le Pernambouc, c'est pour ceux qui n'ont pas fait des recherches, c'est le bois qui sert à faire les archers pour les violons. Donc c'est la Rolls-Royce des archers de violons et violoncelles. C'est fait avec le Pernambouc. Le Pernambouc, c'est un bois exotique du nord du Brésil, dans la forêt amazonienne. Et quand c'était Bolsonaro qui était président du Brésil, il refusait que le Pernambouc... Il avait été monté une association pour sauver le Pernambouc et pour en replanter, parce qu'il n'en pousse que là-bas. Et il s'était opposé. Maintenant que ça a changé, maintenant que c'est Lula,
Voilà, ça a changé et du coup, maintenant, c'est reparti. Mais tu sais qu'à la suite de ton quiz, quand même, il y a eu une plainte de Wikipédia parce qu'il y avait trop de gens qui allaient voir qu'est-ce que c'est le Père Mambouk. Ben oui, ben ça fait partie de la culture. C'est très bien même. Mais bon, donc oui, les arbres, ben, c'est essentiel, les arbres. Les arbres, le puits carbone, la retenue de l'eau dans les sols, c'est essentiel. Les arbres, la déforestation, c'est une honte, c'est un désastre. C'est un désastre. Je sais pas, c'est à propos au mois de juillet qu'on consomme, on aura consommé plus que ce que la Terre produit. Chaque année, les dates, elles reculent. Donc c'est une catastrophe. Et là, tu parlais de l'Espagne, entre autres. Et l'Espagne, oui, l'Espagne a déjà battu son record de sécheresse et de feux de forêt cette année. Déjà, ils battent des records de température avec des 37-38 degrés dans le sud de l'Espagne. Donc voilà, et les forêts, ben, elles ont supporté les conséquences et les arbres, ils meurent. Et il n'y a pas que l'agriculture. Et les feux de forêt, c'est de plus en plus grand et important. Et les politiques contemplent béatement. Oui, ouais, mais on va raser gratis demain. Dans les Pyrénées-Orientales, ils ont un déficit d'eau, ah oui, de oui, flotte absolument. Oui, 1,6 mm d'eau depuis le début de l'année. Les Pyrénées-Orientales, c'est intenable. C'est pas tenable. Ouais. C'est pas tenable. Donc ça veut dire quoi au niveau des cultures? Ça veut dire catastrophe. Ah oui, et puis même si vous voulez mettre une désalinisation en place pour alimenter les Pyrénées-Orientales, ça c'est pas du jour au lendemain. Et puis il faut pas croire que c'est innocent. Ça fait de la saumure en pagaille et ça pollue les mers. Hein. Il n'y a rien de... Oui, puis on doit utiliser de l'énergie aussi pour... Ah oui, bien sûr, oui, oui. Donc ça devient très compliqué. Il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle, c'est de réduire notre impact sur la Terre. Voilà. Produire moins de CO2. Voilà. Mmh. Oui, pas faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Laisser travailler les jeunes et... Exactement, on ne produira pas plus. C'est pas parce qu'on va travailler jusqu'à 64 ans qu'on va produire plus. Et avoir un monde plus apaisé. Voilà. Voilà, ils ont tout dit. À bientôt. Allez, au revoir. À bientôt.